prendre mon genou, il va me mettre un coup à droite, un coup. Déjà là, je vais souffrir. Je suis pas prêt. Tchou, la Delta Family, comment ça va? Comment Comment ça va les gars? En tout cas, aujourd'hui, on a un petit match. Franchement, gros match. Le match de préparation. Donc, je crois que c'est le dernier avant d'attaquer la saison. Donc voilà, on va jouer contre Besançon. Et puis Besançon, donc là, c'est l'équipe N1. Donc, c'est une équipe vraiment solide. On va voir ce qu'on va pouvoir faire. Nous, on est en N3. Donc, c'est vraiment une division en dessous. Je devrais vous mettre tout simplement mon championnat dans quelques temps pour que vous puissiez voir où je joue. Ça se trouve, je vais jouer pas très loin de chez vous. Donc, ça serait intéressant que vous puissiez passer un petit coup dans la cam ou même parler ou autre, échanger. Ça serait super cool. Là, je suis en train de charger, les gars. Parce que, non, en plus, j'ai un peu de retard. Donc, voilà. N'hésite pas, en tout cas, à t'abonner, mettre un petit pouce bleu, d'accord, pour le soutien de la vidéo. Et puis voilà, activer la cloche de notification pour pas que tu sois pris au dépourvu. Et puis voilà, on y va ensemble. Là, on va à la salle, c'est encore à la domicile. Donc ça, c'est plutôt cool. Au début, les gars, on devait jouer contre l'équipe, pas première quoi, l'équipe 2 de N3. Mais en fait, je sais pas ce qui s'est passé. Le coach, il envoie un message, les gars. Il dit, ouais, les gars, vous allez jouer contre l'équipe 1, je sais pas quoi, train. Bon, après, moi, je m'en fous. Tant mieux, justement, ça va nous faire bosser, ça va nous faire courir. Et puis, on demande que ça. Donc à voir, là, vous avez vu, je suis en caisse. Je vais essayer de pas taper la voiture parce que là, on va voir, on va essayer de bien s'échauffer, remettre bien les jambes. En tout cas, ça va être important. Voilà, remettre bien les petites gambettes. Je sais pas comment vous appelez ça, mais les petits surnoms de mes jambes. Les jambes solides ou les petites gambettes, mon gars. Ouais, on va checker ça. On va aller voir ça au PJPC. Les frérots, il fait super beau en tout cas. Là, il fait super beau, ça fait plaisir. Dites-moi tout simplement aussi en même temps en commentaire si vous avez joué ce week-end. Vous avez fait quoi? Vous êtes doré la pilule? Vous êtes allé au lac? Vous avez foutu quoi les gars? Du basket, j'espère. Bon, en tout cas, vous n'êtes pas trop resté chez vous parce qu'on a du beau temps. Faut en profiter avant que la neige tombe. Et oui, mon coco. Allez, avance, Denis. J'ai pas le temps. Bon, allez. Oh, y a du parapente encore, les gars. Polini, c'est leur kiff, regarde. Parapente à gogo. Ils font que ça. C'est même bizarre qu'il y en a qui soit pas encore tombé à Polini. Parce que, gros, comment tu veux savoir si ta voile déjà, il n'y a pas de trou? Mais gros, moi, jamais, en fait. J'en reviens toujours à ça parce qu'en ce moment, il n'y a que ça. Mais gros, laisse tomber. Ah non. Du paravoile encore, ouais. Paravoile, ça veut rien dire. Je sais pas qui, mais faut que je trouve quelqu'un qui puisse filmer. D'accord, avec sa bouche, parce que sinon vous allez encore râler. Vous allez encore dire, ouais, ta caméra bouge pas et tout. Donc on va essayer de voir ça, on va essayer de checker ça, les gars. Bon, il y a déjà Kevin, apparemment, il y a sa voiture, sa Mercedes. Il y a François, il est déjà là. Moi, je vais le garer là, en freestyle. Bah ça fera office de rond-point hein. Les gars, je vais vous avouer un truc, je vais voir comment ça se passe. Mais j'espère que les gars ont joué en rouge. J'ai oublié mon noir. J'ai zappé le noir les frérots. Donc en gros ça pue sa race. Donc j'ai qu'une chance, c'est qu'on joue en rouge. Si on joue en noir les gars, je peux pas jouer. Genre je vais demander à un autre, je vais dire ouais t'as pas ton. Je vais tarot les gars, un gars qui joue pas. Sinon c'est la merde les frérots. Bah go. Ouh, petit gel hydroalcoolique. Allez, on boit. Non, toujours un peu les gars. Voilà. Hop, voilà. Tout beau comme un camion. D'accord, on peut pas passer. Super. Super l'ambiance. Voilà, ça va être le motif parce que j'ai pas. Oh, les gars, j'ai pas mon Jésus, les gars. Pas mon balle, mon truc. Avec eux, je vais direct parler avec eux, je vais voir si on joue en noir. Je suis cul en noir, en noir. Franchement, Thibaut, il est là. Hein. Ce matin, il était avec moi, on a entraîné les gamins. Là, elle installe 2-3 trucs. Ça va, les gars? Eh, les gars, j'espère qu'on joue pas en noir. Hein. On joue en rouge, gros. Yes! Wouh! Wouh! J'avais pas lavé mon noir! Aïe, aïe, aïe!
Allez, j'espère que vous m'entendez mieux que la dernière fois, les gars, la Delta Family. En tout cas, bon, on passe au match directement. Donc, comme vous avez pu voir dans la miniature, les gars, ça s'est pas passé comme prévu. Et justement, comme vous me suivez depuis le début et puis que vous avez été voir tout simplement tous mes matchs de prépa, toutes mes vidéos de préparation physique, enfin, en tout cas, je l'espère. Et bah, c'est parti, on va voir le game et puis on va voir au fur et à mesure comment ça se passe et ce qui s'est réellement passé, les gars. Donc, let's go. Donc, déjà, boum, contre-attaque. Là, bing, on voit l'opposé. Donc déjà, si tu veux remarquer, moi déjà j'aurais forcé. Que je loupe ou pas, je sais que le coach j'ai le régal et je vous le remets. Boum. Grosse contre-attaque. Ça attire deux gars, on fait une passe directe parce qu'on a attiré deux gars et voilà. C'est carré. Ensuite, juste après, grosse défense. Bah, 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 bah. Solide sur les jambes. En tout cas pour le moment. Et puis voilà, là on prend le rebond. Grosse contre-attaque. On arrive. Boum. Là j'y vais. Voilà, c'est le genre d'attaque que je fais un peu souvent et des fois j'ai tendance à faire ça tout le temps et trop souvent. Donc faut essayer de doser. Là on attaque, boum, j'attire, bon forcément je lâche à l'opposé. Bon lui il met pas, mais prochaine fois c'est sûr il mettra. Boum, là, ah ouais mon gars, ah ouais là je l'ai remis. Oh le petit cake de mon gars Joe, il arrive, petit truc en douceur, apparition, boum. Et non gros, c'est l'autre côté que ça se passe. La récupération, on essaye de jouer, c'est pas possible, boum, je la fais en bas. Je t'avoue, je ne sais pas comment elle est arrivée là. Je l'avoue, j'essaie de prendre le rond comme je peux, hop, me prends un petit cake, mais en fait, non, parce qu'il y a faute, gros, donc il n'y a pas de cake. Il n'y a pas de cake, je suis désolé. Hop, lancé franc, on le met. Et d'après toi, est-ce que le deuxième on le met? Là, je mets pause exprès pour savoir est-ce que le deuxième je le mets. J'attends. Tu le mets en commentaire. Mets en commentaire s'il y a 1 sur 2, 2 sur 2. Dis-moi tout simplement, sois le plus sincère et dès que tu as fini, tu valides par un petit pouce bleu. C'est aussi simple que ça. Aussi simple. Vas-y, j'attends. Alors on va mettre play. On voit. Et non, grosse bricasse. Grosse bricasse. Ça marche pas. Donc là non. Là ensuite, hop, petite attaque. Boum. Donc là, hop, j'ai failli tomber, mais non, rester solide. Et puis comme ça, ça me permet d'avoir une faute. Donc là, pareil, je m'épose. Est-ce que je le mets ou pas? Parce que si avant t'as zappé, là ça te laisse la chance de remettre. Il y a quoi là? Je le mets ou pas? Tu dis quoi? T'annonces quoi? 1 sur 1, 2 sur 2? Déjà, il y a 1 sur 1. Déjà. Et est-ce qu'il y a 2 sur 2? Mets en commentaire, parce que tout à l'heure, t'as dû zapper. T'as pas voulu mettre en commentaire, c'est tout simple. Boum, je le mets? Je le mets ou pas? Et non! Punaise, ça fait 2 fois que je fais 1 sur 2. Bref, là, on passe. Boum! Et là, les gars, on passe à la blessure. À la grosse blessure. Et qui paye très cher, très cher. Les gars, là, ça paye vraiment très cher. En fait, ça fait longtemps que je m'entraîne sur mes genoux, que les tendinites commencent à partir, je commence à avoir plus rien, je commence à dunker, même à l'entraînement, bah, je commence à remonter bien correctement et comme il le fallait et comme je retrouvais mon jeu, tout simplement. Et c'était une fierté pour moi-même, tu vois, ça fait 1 an que je galère et voilà. Et là, gros, bah, c'est parti, boum, le genou, il lâche. Crao. Et voilà, les gars, c'est comme ça. En tout cas, j'ai pas d'autre mot à dire, les gars, à part que ça me casse la tête. J'espère, en tout cas, puis je remercie déjà tous ceux qui ont été actifs sur les réseaux, qui m'ont envoyé des messages de soutien et tout ça par rapport à ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, le destin, c'est le destin. On verra comment ça va se passer. Je verrai comment ça va se passer. Pour tout expliquer, là, je te mets un petit ralenti. En fait, compte, là, sur la première impulsion, il n'y a rien. Là, quand je relève, je reprends et je sais pas si tu vois. Là, clac, on voit pas très bien, mais le genou, en fait, pour te faire simple, il y a le genou là, il sort de son truc et il se remet. Et je sens que ça se déboîte et ça se remet. Et puis là, dans ma tête, c'est foutu. Dans ma tête, c'est foutu et du coup, je tombe direct au sol. Et puis voilà, comme là, je vais te montrer, genou gonflé, hyper gonflé. Donc, il y a les examens à faire, IRM, savoir si c'est les croisés, si c'est pas les croisés, si c'est une grosse entorse, si c'est quoi. Finalement, c'est quoi. Donc là, aujourd'hui de la vidéo, elle sort ce mardi. Et puis, moi, ce mardi-là, je suis actuellement au médecin, tout simplement, pour voir comment ça se passe. Et puis, dans la prochaine vidéo, je vous mettrai tout simplement ce que le médecin a annoncé, ce qu'il va vous devoir faire, s'il y aura opération, s'il n'y aura pas opération. Mais en tout cas, j'espère que vous n'allez pas me lâcher parce que j'avoue que c'est pas facile mentalement déjà pour moi. Ok, c'est très dur de voir ça, mais moi, je compte ne pas vous lâcher et vous emmener dans mon univers en même temps, comment je vais galérer dans le sens de la blessure, dans le mental et tout, comment je vais faire. Et ben vous allez suivre tout ça avec moi. Et puis voilà. Donc, j'espère que tu vas lâcher un pouce bleu, d'accord, que tu vas donner de la force, en tout cas pour la Delta Family, ok, que tu fais partie de la Delta Family. Donc, il n'y a pas de raison
que tu vois aussi quand ça va pas et quand ça va bien, d'accord, avec tout que tu vois. Et puis voilà, abonne-toi, lâche un pouce bleu. Et surtout les gars, ne pensez pas que ça tu peux le prévoir ou autre. Non, tu peux pas prévoir, alors arrachez tout sur le parquet, démontez-vous et cassez tout les gars. La dette de ta famille. Voilà comment ça se passe, on est en béquille les gars. C'est déjà moins drôle, on va aller voir tout simplement le médecin. Un médecin du sport sur Lyon pour savoir les résultats et tout ça. Pour savoir ce qu'il y a au genou, hein, malheureusement. Donc voilà les petits gars, mes petits cocos, là, on va aller voir ce qui se passe et je vous emmène avec moi. Comme promis les gars, on suit, on lâche rien. Soit c'est en torse, soit c'est croisé, sa race. Les gars, on verra. Punaise, franchement, on verra ensemble. Hein. En tout cas, je sais qu'il va prendre mon genou, il va le mettre un coup à droite, un coup. Déjà là, je suis pas prêt.